Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des alarmes sonores de recul. Nous proposons deux technologies, les alarmes standards, dites tonales, et les alarmes multifréquences, dites bruit blanc. La question est, laquelle choisir? L'alarme standard, dite tonale, est bien adaptée à de nombreux environnements, les zones industrielles, commerciales, le forestier, le minier, l'agricole. L'alarme multifréquence émet un son que l'on entend directement dans la trajectoire de recul du véhicule. Cela la rend particulièrement moins nuisible dans son environnement de travail. Elle est très préconisée sur les chantiers, là où énormément de véhicules évoluent en même temps. Elle est parfaitement adaptée pour tous les véhicules évoluant en ville et dans les zones résidentielles, comme les véhicules de voirie, les utilitaires, les véhicules de livraison, mais également dans les entrepôts pour les chariots-élévateurs. Elles sont toutes les deux 12-24 volts, homologuées SAE, CE et R10. Elles sont scellées dans l'époxy pour une meilleure résistance contre l'humidité et la poussière. Nous allons passer au test de la version standard. Il suffit de brancher la masse et le positif sur la marche arrière. C'est une version 102 décibels, mais elle existe également en version 87 décibels et dans une version qui s'adapte automatiquement au bruit ambiant entre 82 et 102 décibels. Nous allons maintenant brancher l'alarme multifréquence. C'est une 97 décibels. Elle existe également en 87 décibels. C'est parti! À bientôt pour de nouvelles démonstrations produits.